Voilà, c'est l'ennemi là. C'est quoi ces soldats américains qui veulent pas nous écouter ça. Ah, il part. Ouais, je vais prendre celui-là. Je sais pas, parce que je me dis si on prend une terre et qu'il y a deux, il y a trois blessés, ça va, mais si on a 15. Bon, ok. Vous avez mis votre radio ou pas? 129,5, c'est ça? Je suis en 445,2. French. Ok. Oh, vas-y, conduis, conduis. J'aime me faire conduire. Oui, Miss Daisy. Oh, bah non. Voilà. Attends, je regarde la carte. Enfin, jette un oeil sur la carte. Ah, pense à la récupérer. Ouais, Tipex pour French. Yep. Ouais, je suis pas à la radio, ça a merdé. Ouais, je disais, je vous suis. Ouais, on ouvre, on ouvre. Gaffe aux IED, hein. Dans le mur. Vous me tenez informé hein, si jamais il y a des ennemis sur la route que je me mette à couvert. Ok. Il y a une sortie par là. Ouais, je crois à droite dans les grillages, il y a un trou. Droit devant. Ouais. Alors tout machin suspect au bord de la route ou sur la route, hein, tu dis pas me le dire. Ok. De French pour Tipex. Ouais, Tipex. Ouais, tu me dis hein, si je vais trop vite. Ok, mais je prends un peu mes distances quand même par rapport à vous, on sait jamais s'il y a des IED ou autre. Ouais. Tu le vois derrière nous? Mais je le vois, il est assez loin quand même. Okay. Bon, j'essaie de pas rouler trop vite.
véhicule en haut à gauche là. Hein? Véhicule en haut à gauche là. Non, je vous annonce, je sais pas, on dirait un camion citerne. La classe à droite là. On tire. Hein. Dans la maison. On a été pris à partie, le véhicule. Ouais, j'ai vu. Je me mets à couvert. Je vois tout trouble. J'ai tout. Ah bah. J'ai un grain de soleil, on se traduit. Il est mort, French. Non, mais je suis mal en point. Ouais, alors essayez de tenir quand même une position. Ouais. Ils sont pas loin, ils sont juste derrière le rocher. Je vais te soigner, French. Qui est le plus blessé entre vous deux? Je pense que c'est French. Okay. J'en ai pris, ouais. Fait. French, arrête de bouger. Ouais, je me mettais à l'écart. Ouais. Ils sont pas loin, j'ai entendu le tir de la roquette. Je pense qu'ils sont à notre droite derrière le rocher. Il y avait un dans la maison à l'étage. Grant, si tu peux, tu te mets un pansement au moins, enfin des pansements. Parce que si tu perds trop de sang après. Heureusement que mon sac à dos était bien rempli. Hein. Parce que j'en ai pris là deux là en essayant d'aller au camion. Ouh. Putain, pansement. Ça picote. Ah, déjà je vois mieux. Attends, normalement ça devrait être bon. Je te diagnostique une dernière fois. Non, tu saignes encore à la tête. T'as eu chaud, mec, hein, je te le dis. Hein. Oh oui. Oui, parce que j'ai dit on sort, putain, deux secondes après le véhicule qui explose. Là, on entend ils sont acharnés, ils en ont tiré deux encore après derrière. Ok, c'est bon pour toi, French. Ok, merci. Grâle. Après, moi j'ai écrit de la morphine. Ok. Je regarde juste commenter. Je suis bien. Enfin, il va falloir faire gaffe, du coup on va y aller avec le gros camion, mais ok. Ouais, tu t'es bien soigné, nickel. Rentre, appétit. Il y avait quoi sur la. À gauche du. Il y a un petit gros rocher là. Ouais. Maison. Et c'est à l'étage de la maison. Vu des. Ok. Et... Tu dis un petit hameau. Un petit groupe d'accord, de maison, je visu, ouais, visu, enfin sur la carte. Ok. On va essayer de voir, travers enfin, avec les rochers. Ah, il y a un Pax droit devant. Visu, oui. Ouais, visu sur un Pax, ouais. Mince. Il est passé derrière la colline. Ok, je pense que si on prend le. Vous m'entendez? Ouais. Ok, t'es là. French. Ah bon, on se met en fort. Ouais. Bah, le rocher où il y a Gran, là, nord-ouest, là, si on monte un peu sur le rocher là où il y a Gran, on aura un visu sur le hameau. Bon, j'ai vu un Pax là passer derrière le gros rocher, c'est celui-là que vous avez traité. Chance. Ouais, j'en ai traité un, ouais. Enfin, après, je sais pas si c'était lui. Il avait un foulard blanc ou quelque chose. Non, j'ai vu furtivement parce qu'il est vite passé derrière la colline. Ok. Ouais, il y avait une robe blanche. Enfin, une robe. C'est pas une robe, mais... Talon. Ouais, j'avais pas l'impression qu'il avait du blanc, moi, quand j'ai vu le bonhomme. Tu le vois au sol, là, le mec? T'es où, French? C'est derrière moi, non? Sur ta droite. Ok, donc on voit les habitations, par contre, je vois pas de Pax.
On voit pas les fenêtres en fait. Le mec, il a tiré au lance-roquettes de l'intérieur? C'est ce que j'ai vu après. Bah, il devrait être couché au sol quoi. Il a tiré trois fois quand même. Va falloir qu'on aille. La grosse maison là. C'est la première là qui est devant nous. Première en face de nous. Ouais, à étage, ok. Il est où le cadavre? Légèrement sur la gauche. Il est cap enfin, plein nord là. Cap 3 ou 4. Il est au sol ah là. Ouais, non, moi le pack que j'ai vu, il était en cap 50. D'accord, donc ouais, il est pas traité celui-là. Non. Et il on peut était armé. regarder. Hein. Et il est, tu vois, il se dirigeait vers les rochers sur la colline à droite de la route. Donc là, faut le trouver alors lui. Mais le mec, il est habillé en foncé. Avec un foulard. Mais je l'ai C'est vu peut-être lui hein, qui furtivement. vous a tiré dessus à la roquette. Ok, bon, on va aller vers là-bas, faut le trouver. Hein. On peut pas progresser de toute façon tant qu'on n'a pas traité les mecs. Là. Fais gaffe, ils ont pas un visu sur toi à gauche. Non, ça va. Et se déplacer vers le gros rocher, tu dis? Ouais. Qu'à notre nord-est alors. Bah, tu vois, je l'ai vu de cette position. C'est pas lui derrière, on a un civil derrière assis là. Derrière nous. Cap 150. J'ai peur qu'on ait du monde du coup dans la ville derrière. Armé. Putain, je le vois pas ton civil. Deuxième civil. Il y a un mec sur la route là. Hein? Zimut 150. Ouais, ok. Pas lui. Non. Pas pu leur J'ai faire un un autre seul. civil et. Civil. Il n'y a pas l'air d'avoir de mecs armés dans le village. C'est que s'il y a les gros le groupe de rochers en face de nous. Ouais, s'il reste planqué, ouais. J'étais quasiment sûr qu'il était armé, hein. J'ai pas la certitude, mais bon, parce que je l'ai vu vraiment une seconde, quoi, puis il a disparu derrière les rochers. Ouais, puis il a pas eu le temps de traverser, c'est pas celui que j'ai traité, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est pas bon, Non. Ce qu'on va faire? On va se remettre où on était tout à l'heure, là, tu sais, sur le rocher au nord-est, là. On va progresser vers le hameau. Et Gran, il faudra qu'il ait un visu sur le hameau et le rocher, là, pour qu'il la smatte avec sa MG, si jamais, avec sa mini-mi. Donc, Gran, il faudra que tu te mettes plus. Plus par là, Gran. Ok. Comme ça, t'as un visu sur le rocher. Il y a un visu sur le village, enfin sur le petit Marche. hameau là. Marche. Si tu vois qu'on est prêt à partir, t'essayes de vite. De toute façon, on essaie de t'indiquer où sont les packs et tu t'asmates. Même si le mec, tu le touches pas, faut le coucher. Quand je dis faut le coucher, c'est en gros, il va avoir peur de tes coups de feu. Donc, nous, Marche. on essaiera après de traiter ce qu'il y a dans le village. On y va, French? Ouais. Vas-y, je te laisse passer devant. Oui. Il était mort hein, le véhicule. Hein. Il a pas explosé, mais je sais pas si on peut le réparer. Quand on est sorti, il avait une roue de défoncée, au moins une. On regarde devant, toi, je regarde sur les côtés.
qui fait gaffe, prends appui sur la maison là. Il dit que pour lui, Gran, il y a un mec à l'étage de la maison qui est en face de nous. Test radio pour toi, Gran. Voici. Ok. Cette maison là où on prend appui. Je sais pas si t'as vu, on a pris appui sur la première maison là, celle que tu me dis qui est maintenant à l'étage. Voici. Ah, il va nous perdre de vue, mais bon, il s'en fout qu'on y aille. Hein. Bon, on va rentrer dans la maison. Ok. Je reste en bas, je surveille la porte d'entrée. Ok, personne à l'étage, je vais voir sur le balcon. Ouais. Non, c'est clair. Ok. Je crois qu'il suivait French. French, j'ai pris appui sur la maison. Regarde à ta gauche, tu me vois? Ouais. Ouais, visu. Clair aussi. Ok, ça a l'air clair. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Pas de trace de lance-roquette quand même, hein. Pour moi, il venait d'ici, hein, le tien. Par là, toi. Parce que vous avez traité qu'un seul pacte, là, en fait. Ouais. Ouais, il avait pas de lance-roquette. Donc, il y en a toujours un qui se balade. On va recoller sur le camion. Ouais. On va voir si on peut réparer le Hunter. Grano, on recolle sur toi. Ouais, rien dans les baraques. Ouais, bizarre. Un gars, il nous aurait détruit le véhicule comme ça, lui tout seul. Bah, pour moi, il a pas de lance-roquette, hein, celui qui traite, hein.
Ouais, il a qu'une qu'une AK, hein. Vigilant, hein, parce que. Ouais. On va voir si on peut essayer de réparer le véhicule là, le Hunter. Je pense qu'il nous faut du matos, mais attention, il y a un civil à côté de notre camion. T'as un pistolet, French? Ouais. Fais-lui un tir juste. Attends, je suis monté sur un camion, un rocher moi. Fais-lui un tir sur les pieds là, on va l'arrêter. S'il se couche. Enfin, tire pas dessus, hein, au niveau de ses pieds. Ouais, voilà. Attends. Oh merde. Ah, tu l'as tué. Attends, je vais le soigner. Putain, il est pas mort, il est pas mort. Je pense pas. Oh, une balle dans le mollet, bordel. Putain, t'es une chouchotte, mec. Ah, depuis qu'on tombe, quoi. Putain, je vais essayer de le soigner. Ouais, il est mort. Putain, la merde. Oh, désolé, vieux. Ah, je voulais l'arrêter, tant pis. Par contre, je suis monté un peu sur un rocher. Ah oui, là, effectivement. Ouais. Ouais. Je vais essayer de manœuvrer. Essayez d'aller voir si vous pouvez. Ah ouais. Attends. Enfin, je peux aller voir si tu peux réparer le véhicule. Ouais, je vais voir. Grainerai sur la hauteur avec la MG. On sait jamais. Ouais, par là, par là. Ouais, négatif. Ah, ok. Petit coup de thermique. Exactement. Non, bah y a rien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un cadavre au niveau du village derrière nous. Pourtant, on a traité personne là-bas. Moi, je vois un mec assis sur la route, hein, c'est pas un cadavre. Ouais, non, lui, je l'ai bien en visu, mais de l'autre côté de la route, à peu près à sa hauteur, moi, je vois, j'ai une signature. Mais j'arrive pas à distinguer la forme du corps ou de la signature en tout cas, mais en tout cas j'ai une signature immobile. Est-ce que tu vois un petit panneau en bordure de route en face du bonhomme assis, de l'autre côté de la route, une petite pancarte? Ouais, je vois le corps. Ok. Il y a un de ses collègues qui vient le voir, tiens. Ouais. Bon bah je sors. Je French, suis désolé, monsieur. je sais pas si t'as vu, il y a un petit véhicule derrière. Bon, c'est un véhicule citerne, mais Moi, ouais, j'ai vu, ouais.
Ah, je vais On le fait ramener. quoi? On monte tous dans le camion ou alors on fait comme tout à l'heure, même si enfin, pour éviter qu'on crève tous, quoi. Ouais, bah je vais ramener le véhicule. Ok, bah je t'attends en bas, je vais descendre là. Ouais, Grano, tu vas avec French? Je vais essayer de paniquer le véhicule, moi. Ça tire. On se fait tirer dessus. Ça venait? Négatif. D'assez loin, on a juste entendu les tirs atterrir à côté de nous. Ça vient de la montagne à nord-est, non? Je sais pas. Me fait tirer dessus encore. Ok, je me fais tirer dessus. Moi aussi, je suis blessé. Ça y est. Sniper, hein, je pense. Je Hein. suis coincé entre deux rochers. Putain, j'aurais voulu faire ça, j'aurais pas pu. Pas grave. Appliquer un pansement sur la Il est tête. toujours debout? Ouais. Ah, vous êtes où? Oui. Vous êtes où? Je vous ai entendu. Ah, là-haut, ok. Je sais Ça vient de la pas. montagne, hein. Je pense qu'il y a notre nord-est. Hein. Quel visuel? Regardez, c'est mon traité. Au niveau du tirage pour la route là. Côté cap 35. Tellement mal. Par contre, je sais pas si vous m'entendez, j'ai mis le véhicule entre deux rochers. Ah, c'est lui qui avait le lance-roquettes, c'est bon, trouvé. Vous Ok. m'entendez? Oui, je t'entends. Ouais, c'est lui qui avait le lance-roquette. Bien Vous le reçu. voyez là, son corps? Le Non. cap 36 couché à droite de la route. Un sac vert kaki. Visible. Ah yes. Ouais bah c'était peut-être lui que j'ai vu tout à l'heure. Bon, ouais, ça va être ça. Je vais essayer de sortir le camion. Mais ça va être dur. C'est dès que t'as allumé le camion, dès que t'as démarré le camion, en fin de compte, on a pris on a essuyé des tirs. Ouais. Oh la vache. J'essaie de l'enlever de là, mais ça va être très difficile. Bon, pour tout vous Oh. dire, j'ai voulu me la jouer RP, vu première personne, fallait pas. Allez, pas grave. T'as déjà joué à Spin Tire? Allez. Normalement, marche Je peux c'est peut-être bon. reculer, ouais. Yeah. Je lui prêterai pas ma caisse, hein, mais bon. C'est clair. Bon, allez, montez, je vous dépose au camion. Il y en a qui touchent à l'arrière, normal. Ouais, c'est moi. Oh, trop de la balle. Ah, parce que plus c'est raté, quoi. Ouais.
Allez, on approche pas trop, je vous laisse y aller. Ah merde, on est déjà arrivé. Qui est pas piégé ce camion. Ça me fait peur parce que si on tous les deux là-dedans pour une roquette on est mort. Hein. Oh. En premier coup de feu on s'arrête. Hein. Oh, vous êtes là. Tipex, la voiture qui te précède, ce n'est pas une cible. Hein. Ouais, ça va, de toute façon, j'ai pas de. Y'a pas de quoi tirer. Ah, enlève tes bras de la fenêtre là, parce que du coup, tout le monde sait que t'es un soldat français. Et je fais comment, moi, pour retirer ma main? Tu peux pas? J'ai envie de bronzer, c'est pour ça. Pas mal la petite estafette en panoramique et tout. Ouais, faut suivre la route, on va demander, on va tomber dessus. Hein. Carcasse. Ralentir, bip. Ah, c'est bon. Faites gaffe, ça pue l'embuscade. Avec les montagnes, ouais, effectivement. Les cuvettes. Trop facile. On descend et on sécurise la zone, j'essaie de pas traîner pour les amener dans le camion. Aussi. Allez, on sort. Bin, suivez la droite. Au rapport les mecs, au rapport. Bon, comment on fait? Ils sont où les blessés? Ils sont là? Follow me, follow me. Il y en a un par terre là à droite, ouais, du Hunter. Je l'ai pris là. Viens toi, viens, viens. Viens vers nous, je tire à ses pieds, c'est ça? La civile, ouais. Je vais te soigner déjà, c'est pas mal. Ok, il a rien du tout, mais il est blessé. Il est saignant, je crois. Il va vers lui là. Ouais, ils ont poule au pied, ouais. Putain, tu m'as fait peur. Tu peux l'arrêter hein, sinon, hein, le mec. Hein.
Viens toi là, follow me là. C'est quoi ces soldats américains qui veulent pas nous écouter quoi? Ah, ils partent tous là. Follow me. Hey mec ton. J'ai mis écrit capturer le prisonnier. Samuel. Hey Samuel. Samuel, debout Samuel. Tu peux pas le soigner. Il n'y a rien du tout. Je vais amener le camion à côté de lui. Ils sont partis où les autres là? Sont partis vers les habitations là. Là où il y avait le civil. Ouais, on va essayer de pas l'écraser. Oh Jean-Pierre, Samuel. Ah, le hunter, il a été criblé de balles, quoi. Il est HS ou pas? Je vais voir. Oula, oui. T'es mort ou c'est comment toi là? Après, ça marche pas, je peux pas le. C'est embêtant ça. Bah, j'ai essayé le follow me aussi, mais. Viens là 2 secondes là. Viens là toi. monte à l'intérieur. Comment je fais? Embarquer le prisonnier. Hop. Yeah. Et bon, il est dedans. Il est dedans. Allez, attends, je vais mettre. Gran. French, tu vas prendre le véhicule blanc. Ouais. On rentre à la base. Gran. Tu peux monter avec le prisonnier à l'arrière, s'il te plaît? Enfin, le prisonnier. Le soldat américain qu'on doit saigner. Allez, French, on fait demi-tour là. Tu J'ai un prends. soldat sur le toit d'une habitation, mais je reconnais pas l'uniforme. C'est l'armée irakienne, je pense. Iranienne. Ou iranienne. Bah écoute, non. Non, non. Hop, 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 monsieur là. Arrête-toi tout de suite. Attends, 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 bouge pas. Hop, toi là. Hop, bouge pas. Voilà, tu restes là, tranquille. Bon, on décolle. Gran, tu montes derrière le véhicule. French, tu prends le. Tu fais demi-tour, on y va. On va pas traîner. On va pas l'énerver le. Alors, fais attention sur le chemin du retour, on sait pas ce qui nous attend. Il est avec toi, Gran? Affirme. Ok. Merci.
t'es à l'arrêt, French? Ouais, je t'attendais. Ok, tu m'as fait peur. Il y avait un mec en fonce. Ça serait une fausse alerte, ce sera un civil. Je suis là. Ah, faut faire demi-tour. Fallait prendre à gauche tout à l'heure. Allez, go.
Allez, viens, mec, ton. Viens ici. Si, debout. Je vois pas. Viens, j'ai dit. Il est dans le camion, là, il est debout. Et je vois personne, moi. Je vois personne. Je me rassure, French, là, parce que franchement. Attends, allez, je vais vous faire un screen juste pour vous. Restez là, vas-y, restez là, vous êtes bien devant. Hein. Hein? Je crois que je vois un fantôme, en fait, moi. Bon, bah, on a ramené un peu d'essence, hein, du coup. Ouais, c'est pas mal. Si on peut joindre l'utile à l'agréable. Je vais hein. ranger le camion. Vous venez avec moi? Ouais. On va monter à l'arrière. Ah, vas-y, tu vas voir, on est trop bien. J'y étais là. C'est bon, vous êtes dedans? Je suis ressorti. Non, je suis ressorti. Non. On sort? Ah, tiens, c'est bizarre. C'est deux fois que je remonte dedans. On ressort encore. Vas-y, essayez là d'entrer. Et toi, Gran? Attends, j'essaye. On ressort à chaque fois. Y'a pas trop de place devant là? Ouais, c'est ce que je regardais, non? Pourtant, il y a la place. Hein. Ouais. Ah, c'est pas une pigeot. Hein. Du coup, Gran, que je l'écrase pas. Bon, on se rejoint à la salle de le QG. Marche. Marche. Bah, GG, hein. Bah, ouais, GG. C'est bien démerdé. Ouais. Heureusement, comme je disais à Grano, qu'on n'est pas tombé sur des ennemis sur la dernière zone, là, t'sais. Enfin, le dernier village, on a fait demi-tour. Oui. Ouais, je suis parti un peu trop loin. Le camion, il était. Ouais, c'était par là. Ouais, je crois qu'il était ici, là. Devant lui, c'est ça. Mais non, je me suis mis en vue extérieure. En fait, le mec, je le vois entier avec sa tête et tout, quoi. Attends, je fais un petit screen encore. Les photos souvenirs de Pakistan. Nickel. Allez. Ouais, on va pas le faire attendre, on va y aller. On devrait mettre des quads un peu partout, hein, cette base. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais. Elle est tellement grande que. Ouais. On va se faire un mini débrief. On a vraiment un mini. On a pas fait de briefing, mais bon. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'espère qu'il a préparé le café. Ah, pour moi, c'est une bière. C'est un coca bien frais. Non. T'as rien préparé? Ah non, écoute. Putain. Je te jure. Bon, bah. C'est bleu. Félicitations, messieurs. Hein. Rien. À 3. Tout s'est bien passé. Allez, je commence, hein. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est bien émerdé, juste comme je disais tout à l'heure, Grano dans le camion. French, vous êtes arrêté pourquoi? Parce que quand vous étiez prêt à partir là, c'est parce que vous étiez prêt à partir ou alors vous m'attendiez? Non, parce qu'on était prêt à partir. Ok. Et en fait... la première roquette qui a immobilisé le véhicule est arrivée assez rapidement. Hein. Ah oui, tu t'es arrêté et ça a tapé à cause direct, de la quoi. Roquette, ouais, à cause de la roquette. Ah, oui, c'est la roquette qui m'a arrêté en fait. Ah, okay. Et c'est là où j'ai dit on sort, et on a continué à être pris à partie, t'es arrivé, et puis voilà, on s'est passé. Non, c'était juste pour ça, parce que comme je disais à Gran, en fait, quand on est pris à partie sur la route, c'est soit on fonce, soit on trouve un...
c'est un endroit vite fait pour se cacher quoi. Ah ouais. Non, mais là, bon c'est là la si vous avez été stoppé direct, ouais. On a eu chaud. Hein. Ah oui, ah, vous oui, avez oui, eu chaud. Oui. Ouais. Moi j'ai riposté sur la maison. Après, ouais, French, bah, t'as bien fait. De toute façon, je t'ai dit, t'es avec ta Minimi, bon même nous, hein, mais surtout toi avec ta Minimi, tu fais j'étais peur. Encore dans le véhicule. Ah, t'étais dans le véhicule, t'as tiré? Ouais, j'ai riposté avec le véhicule. Oui, ah oui, avec ah oui, en gunner, oui. Ouais, t'as eu raison. Hein, ouais. Ah oh bah sinon, bah rien à dire alors, c'est tout si bien passé. Perfecto. Moi, bien, je découvre donc. Bien. Et toi, French? Ouais, non, pas grand chose à dire. Bien mené. On a fait ce qu'il fallait, je pense. Ouais. Non, juste la Merloc là qui voulait pas monter un camion, on est obligé de lui mettre les menottes. T'es tu un américain? Ouais, puis bien vu aussi le mec en fait qui nous a tiré au lance-roquettes là, parce qu'il se planquait bien et. Mmh. Ouais, on a eu chaud lui aussi, ouais. Ouais. Puis, il nous attendait en fait, il attendait qu'on reparte quoi, là, t'as vu? Tu l'as tiré de loin en fait, hein? Ouais, bah pas si loin que ça, bon, je sais pas, il était en bas du village hein, en gros, sur l'autre côté de la route. Ouais, d'où on était, et ça avait ouais. Quand même une distance. Par contre, quoi. Le mec là, c'est vrai que French, là, le mec que t'as vu sur le toit, doit être l'armée iranienne, oh. Mais le camo, ouais. Bon, heureusement, il nous a pas vu. Ouais, bizarre, ouais. Ouais, parce qu'en plus, moi j'étais allongé sur la route, je le voyais, donc il voyait bien le hunter sur la route avec toutes les troupes autour, ouais. Je pense. C'est bizarre. En tout cas, GG. Hein. Ouais. Ouais. Mission accomplie. C'est ça. Très plaisir, tu t'y arrives à faire le petit. Ouais.